Hop, il y a le charpentier qui m'a appelé. Je vais aller l'aider, le pauvre. Ce matin, ils se sont montés des poutres à la main, là, à cause des menuisiers, qui m'ont foutu une heure de galère, là. Du coup, je vais aller remonter ça, quoi. C'est des manœuvres qui restent dangereuses, quoi, parce que les types, ils sont en équilibre sur leur toit, là. C'est vraiment... C'est vraiment des moments où il faut pas déconner à la grue, quoi. Ça lui fait de foutre les charpentiers par terre, quoi. Ils ont monté toute leur armature. Maintenant, ils vont y placer toutes les bouliges là. Je ne sais pas ce qu'il y a sur ce toit. Si c'est du zinc ou... Je ne sais pas du tout. Parti comme c'est parti, je pense que ça doit être peut-être du zinc, ouais. Bon. Personne d'autre qui a besoin de moi. Eh bien alors, hein. Je vais me faire une petite sieste avant que le béton il arrive. Je fais journée continue aujourd'hui. J'ai mangé en conduisant ma grue. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé. Bon. Eh ben... Ah putain, lui, il nous vide du... Lui, il nous vide du gravier, là. Autour de la cage d'ascenseur. Ils sont pas mal, ces camions, là. Alors, c'est le... Le type, là. Il a une télécommande. Et il gère en fait le débit de son camion là.
Mais le camion, en fait, il est télécommandé. C'est-à-dire qu'il peut reculer le camion et le faire tourner et le mettre où il veut sans être au volant, avec juste sa télécommande là. C'est un truc génial quoi. Pour faire des manœuvres, le camion, tu le mets où tu veux quoi, avec t'es dehors donc t'as pas besoin de t'emmerder avec des rétros, des machins. Là, ton camion, hop, tu le mets où tu veux, direct avec la télécommande, quoi. Là, ça, je connaissais pas, mais c'est des super machines, quand même. Parce que le type, il te fout le sable ou le gravier, il te le met où tu veux. Avec la goulotte, là, elle se déplie. Tu peux venir me voir, on va faire des barrettes pour les mettre dans la bidon là-bas. Ouais, alors, c'est qui? C'est Arnaud qui m'a appelé. Rien compris. Tu m'as attaché, chef, je repars. Mais j'y vois rien du tout. Ah, ça s'est détaché. Ah, vite. Ah, il m'avait accroché des tiges de banche, je crois, en fait. Et quand j'ai levé, mais... de toute façon, il s'est défait. Je sais pas comment il m'avait attaché ça. Il galère, le chef. Approcher.
Ahmed. Attention la tête, mon copain. Daniel qui m'appelle. Qu'est-ce qu'il veut? Lui, il veut des barres. Des barres, il veut, monsieur le maçon. Ah, il veut me mettre deux sangles. Putain, un qui attache bien. C'est les types, ils aiment bien te mettre qu'une sangle au milieu, que ça balance de droite à gauche, ça ils aiment bien. Putain, quand ça surprend quand t'en vois un qui fait bien le boulot, quoi. Après, il m'a mis deux sangles, mais il me les a mis au même endroit, donc au final, ça revient au même. Hein. Bon. C'est pas grave, il a essayé. Il a essayé déjà. Et ouais, il est bidon ton langage là, un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, ouais, j'attends alors. Ça, j'aime bien attendre. Enculé, hein, il m'a fait le... Et tu veux que j'aille où avec ça? Ça va tomber de partout. Hein. Te mets pas dessous, te mets pas dessous. C'est qui? C'est Armando qui va me récupérer tout ça? Je vais essayer d'aller doucement, mon copain. L'engage de la mort qui m'a fait Putain, Daniel, c'est dangereux ce que tu m'as fait là. Hein. C'est très dangereux. Il m'a montré je sais pas quoi, Daniel. Je vais aller voir derrière moi ce qu'il y a, puisqu'il m'a montré derrière moi. Qu'est-ce qui se passe derrière alors? Qui c'est qui m'attend?
des pequeños qui m'attendent. El hombre. Pourquoi tu veux la benne en béton, mon copain? Il n'y a pas de béton encore. Tu fais mon copain, tu me l'as rempli de cailloux. C'est ça. J'entends là ou pas? Je savais pas qui conduisait la pelle, ces pequeños. Je savais pas. Même plus c'est la 5 tonnes, c'est pas la toute petite ça. Ouais. Voyons comment il se démerde. Voyons, voyons. J'avais rien compris, je croyais qu'il voulait aller la caler là-bas, la benne, je sais pas pourquoi. Et en fait, il m'envoie du caillou. Sûrement pour remplir le tour de la cage d'ascenseur encore. Ah. Ah, il débute. Il débute avec la mini pelle. Hop, hop, un peu à droite, un peu à gauche. Ah, ça n'a pas l'air facile au début, mais ça non plus. Hop, hop, un coup à droite, un coup à gauche, magnifique. Bah, il va s'habituer. C'est le jeune. Il vient d'être embauché ici, là, dans cette entreprise. Un jeune, oui, qui a démarré en tant que manœuvre et qui est passé maçon maintenant, quoi. Et pelliste depuis aujourd'hui. Attention! Oh, oh. Il a même plus à côté des cailloux que dedans. Et bon...
Non, on va pas dire vouloir. Putain, il est 3h30, on n'a pas de béton aujourd'hui ou quoi? Là-bas, ils ont coffré tout le haut du mur. Et là, je croyais qu'ils allaient couler dans l'ascenseur aussi. Hein. Putain. Depuis, ouais, lundi, démontage de la grue intempérie. Hier mardi, ils ont continué à démonter la grue. Du coup, la route était bloquée. Il n'y a pas eu de béton. Et aujourd'hui, ben, s'il n'y a pas de béton non plus, qu'est-ce que tu touches toi dans l'armoire électrique de ma grue là? C'est qui lui? Ah, pas facile la mini-père, oui. Parce que quand tu regardes un pédiste qui a l'habitude de faire, hop hop, il va à fond, t'as l'impression que c'est facile. Hein. Comme quand tu regardes un grutier qui sait conduire, quoi. Ça a l'air facile. Hein. Et en fait, là, de voir quelqu'un qui débute. Mort de rire. Il va mettre 20 minutes à me remplir la benne et on va la vider en 30 secondes. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il est là lui un peu pour me faire rigoler aujourd'hui parce que l'autre ce matin il m'a pas fait rigoler hein. Putain les boules quoi. Putain, Daniel, t'en avais besoin de autant des barres. Il m'a fait monter je sais pas combien de barres là, en fer. Ah, il les enfonce comme ça, la verticale aussi. Ah. Ah, ils en mettent dans les blocs à l'horizontale, à chaque étage de bloc, tac, 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 tac. Et à la verticale aussi. D'accord.
Alors, vous voulez vider ça ou c'était bien pour la cage d'ascenseur ou pas? Où il va lui? Où il veut le mettre son caillou? Là-bas? Ah, sur le bord du mur en bas. C'est vrai qu'ils avaient mis du caillou, mais ils avaient fait avec l'autre grue, donc... Et jusque-là, ils avaient fait avec l'autre grue. Putain, en plus c'est le grand chef. C'est pequeño avec le grand chef. La putain de serjouen là. Ah, c'est le serjouen qui me casse les couilles là. Ah, bien, c'est pequeño. Il m'a évité de se rejoindre, quoi. Ça suffit. Oh, attention chef. Putain le con. Il est grand, il a pris les crochets dans la tête quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu me la remplis? Mais pourquoi il me détache? Il me dit de me barrer. Il va me rappeler dans 2 minutes. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'attend? Non, je vois personne moi. Daniel! Qu'est-ce qu'il veut, Daniel? Daniel, il m'a fait monter 200 barres, les barres là. Il en a utilisé 3 ou 4 et il va me les faire redescendre maintenant. Au lieu de compter ce qu'il a besoin. Attends, j'ai pas reculé.
Au lieu de compter ce qu'il a besoin et de monter exactement ce qu'il lui faut, eh bien, il m'a fait monter un paquet de barres entiers. Bon, c'est pas grave, hein. Je mets. Oulala, oulala. Enculé. C'est dangereux, là, Daniel. Là, c'est dangereux, hein. Heureusement qu'il n'y a personne et que je dois aller là où il n'y a personne. Hein. Parce que sinon, je lève pas ça. Hein. Comment il m'a attaché ça, con? Putain! J'ai juste compris, va voir. Va voir qui? Ok. Tu t'es caché, charpentier, là derrière, et je te vois plus, quoi. Ah, mais c'est toutes les voliges qu'il a été se chercher là-bas, à la zone Noël, le pauvre. Il s'est tout emmené à la main jusqu'ici. Putain, le pauvre charpentier galère depuis ce matin. Eh ouais, quand il y avait l'autre grue. Quand il y avait l'autre grue, c'était facile, quoi. Il m'attache le paquet, l'autre il m'envoie, moi je le renvoie. Bon là, charpentier. Je pense qu'ils ont de quoi en faire pas mal. De rien, mon copain, pas de souci. Quand les gars ils sont gentils, il n'y a pas de souci. Je les dépanne avec plaisir.
Par contre, ceux qui m'ont pété les couilles ce matin, eux, je vais pas trop les dépanner. Eux, ils vont se démerder jusqu'à la fin du chantier. Bah alors, oh, il reste une heure. Ah, on a des bosses. Eh ben, aïe, 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 aïe. J'avais pas de béton aujourd'hui encore. Putain. Bon. Voilà. Est-ce que le chef il a besoin? Tu vas aller y mettre ton caillou ou pas? Excusez-moi, c'est pequeño. Je galère. Putain, j'ai mal au bras encore. J'ai mal au dos. Aïe, aïe, aïe. Je galère un peu. Par-dessus encore là. C'est le chien du voisin encore. Le chien du voisin qui allait voir le chef dans la pelle. Il est trop marrant ce petit charpé là.
On dirait un petit charpé avec la queue en l'air. Fais-moi des grands gestes, va, j'ai du mal à y voir là. En fait, au pied du mur, il a mis une espèce de machine en tissu, là. Après, il a mis du caillou par-dessus. Il a replié et il remet du caillou. Ah putain, le sergent! Les autres, ils ont été coffrés et ils m'ont foutu une serre-joigne de 3 km là. Mais Léa, tu vas aller plus loin. Ah là, il y a un tuyau tout le long. Il enterre le tuyau.
Les effets, tu me l'as rempli, chef? Bon. Allez, là. Le chef fait la mini-pelle. Avec le chef, forcément, ça va plus vite. Hein. Il y a la mini pelle, enfin la pelle de 20 tonnes là, elle est juste au pied de ma grue. Dès qu'elle bouge, ça me fait trembler toute la grue quoi. Du coup là, le pédis qui me secoue là depuis ce matin. Et bon, on va aller renvoyer du caillou à ce pequeño pour qu'il nous remplisse le fond de son mur là. Et puis, voilà.